Voici une vidéo qui vous explique comment vous connecter à une vidéoconférence qui a été créée dans Teams. Première des choses, on ouvre Teams et on sélectionne « Équipe ». Par la suite, on entre dans l'équipe dans laquelle la réunion a été créée. Donc, dans mon cas, c'est l'équipe français. Donc, vous, ça sera peut-être l'équipe de votre école. Ensuite, nous allons dans le canal dans lequel la réunion a lieu. Donc, on peut voir ici, je suis à l'heure et on voit que la petite caméra est déjà débutée dans le canal général. Je sélectionne le canal général et ensuite, je sélectionne « Publication ». Donc, dans « Publication », je vois la rencontre qui a lieu. Donc, je peux la rejoindre en cliquant sur le bouton « Se joindre ». Donc, lorsqu'on veut se joindre à l'équipe, on décide si on veut avoir notre caméra ouverte et notre micro. Donc, pour les oreilles de tous, c'est bien de fermer les micros et de les ouvrir seulement lorsque c'est demandé. Donc ensuite, je fais « Se joindre maintenant » et je fais maintenant partie de la rencontre avec les personnes qui sont dans la vidéoconférence. Un petit résumé des boutons. Donc le premier, c'est pour activer ou désactiver sa caméra. Le deuxième, c'est pour le son, donc le micro. Ensuite, on a un bouton pour partager son écran. Et on a les trois petits boutons avec d'autres actions possibles, dont pour flouter l'arrière-plan, donc pour mettre l'arrière-plan en flou. J'ai la section conversation, donc quand je clique dessus, je peux converser, donc je peux avoir une conversation avec toutes les personnes qui font partie de la rencontre. Je peux aller voir qui sont présents et je peux aussi raccrocher. Donc voilà, c'était la façon pour se connecter à une rencontre qui a été créée dans Teams.